présidentielle au Niger, Issoufou en tête, mais s'éloigne de la victoire au premier tour. Le président sortant devance deux anciens premiers ministres, Ama Amadou et Seni Oumarou. Le taux de participation, selon cette comptabilisation partielle, s'élève à environ 68%. En Centrafrique, le chef de mission de l'ONU, Parfait Onanga Nyanga, assure qu'ils ont recensé 42 cas d'abus sexuels depuis le début de leur mandat en septembre 2014. Parmi 16 missions dans le monde, 30% des cas d'abus sexuels commis l'an dernier sont attribués à la MINUSCA. L'opération Ville Morte, organisée pour demander le départ du président Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 26 ans et qui va se représenter en avril pour un cinquième mandat, a été très suivie. Un succès pour la plateforme Ça suffit, réunissant une vingtaine d'associations de la société civile. La FIFA vote pour désigner son prochain président. Le candidat sud-africain Tokyo Sekswale s'est retiré. Ils ne sont plus que quatre à briguer la succession de Sepp Blatter, qui a dirigé l'instance mondiale durant 17 ans.